Non, on va retourner au début de l'année. On a vu les structures de la cellule. En fait, c'est une révision. Mais ce sur quoi on a insisté un peu plus, là, c'était dans le fond, la division cellulaire. Donc, on a vu qu'il y en avait deux types. Donc, la mitose et la méiose. Je vais commencer par la mitose. Donc, si vous pensez à mi, ça peut vous faire peut-être penser à demi. Donc, c'est que la cellule va se diviser en deux, avoir deux exemplaires à la fin de la cellule humaine. Fait que disons qu'on se coupe, on veut reformer des cellules de peau. Bien, dans le noyau, vous savez qu'il y a 46 chromosomes, ou si vous préférez, 23 paires, 23 qui viennent de votre mère, 23 qui viennent de votre père. Donc la première étape qui va se produire avant que la cellule se divise, c'est ce qu'on appelle la réplication de l'ADN. Et temporairement, la cellule va se retrouver à 92 chromosomes. Donc, on va faire une réplique exacte de tous vos brins d'ADN, ou si vous préférez, de tous vos chromosomes. Donc, on se retrouve avec 92 chromosomes. Et par la suite, la cellule va se diviser en deux, pardonnez les cellules qui ne sont pas à l'échelle, mais ça va faire des cellules identiques. Si tout va bien, on se retrouve avec 46 chromosomes, 46 chromosomes, deux, ce qu'on appelle les cellules filles. Bon, c'est un petit côté, on apporte un petit côté familier à la division cellulaire. Là, on appelle ça ici la cellule mère et les cellules filles, mais en fait, ça produit deux cellules identiques. C'est une espèce de clonage, c'est une espèce de clonage naturel. Donc, si on est parti avec des cellules de la peau, on refait des cellules de la peau jusqu'à temps qu'exemple, notre coupure soit très bien cicatrisée et tout, là. Donc, on commence avec 46, des cellules qu'on appelle diploïdes parce qu'il y a 23 paires de chromosomes, donc diploïdes. Réplication de l'ADN. Puis ici, c'est important de mentionner, parce que vous allez voir tantôt, c'est pas le cas que la méiose. Il n'y a pas de brassage de gènes ici, là. Donc, il n'y a pas de mélange, d'échange entre les chromosomes, là. Tout reste identique. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on veut deux cellules, encore une fois, diploïdes, qui sont identiques à la première. Donc, on se retrouve avec des cellules diploïdes, 46 chromosomes, qui sont identiques à la cellule mère. Comme je vous disais, c'est du clonage. D'un autre côté, on a la méiose. La méiose, le but de ça, là, c'est vraiment former des cellules sexuelles. Donc, en apparence, on serait porté à croire qu'il y a vraiment des choses qui sont identiques, mais en fait, c'est complètement différent. Donc, la première chose qui va se passer, comme dans l'autre, c'est probablement la seule chose qui est en commun entre les deux, c'est encore une fois la réplication de l'ADN. On se retrouve temporairement à 92 chromosomes. La cellule va se diviser en deux. Comme ça, pour se retrouver avec 46 chromosomes de chaque côté. Par contre, sans entrer dans les détails, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette étape-ci, pardon, lorsqu'on est à 92 chromosomes, les chromosomes, lorsqu'ils vont s'en aller dans chacune des cellules, donc ces deux-là ici, ils vont se mélanger. Fait que dans le fond, déjà ici, là, à cette étape-là, où est-ce qu'on retrouve deux cellules diploïdes temporairement, là, ben, ces cellules-là ne sont même pas identiques à la cellule originale, parce que contrairement à la mitose, donc ça c'est la méiose pour fabriquer des cellules sexuelles, on a déjà mélangé les chromosomes. Donc, on a déjà ici une variabilité génétique qui est augmentée. Puis lorsque on arrive à deux cellules diploïdes, c'est temporaire évidemment, il va y avoir d'autres mélanges. Donc, parce qu'il va y avoir une autre division. Ce qui va nous donner quatre cellules. Donc, si on part du fait qu'on avait 92 chromosomes, on divise en quatre.
Ça vous donnait des cellules à 23 chromosomes. Dans chacune de ces cellules-là, dans le fond, on se rend compte, après analyse vraiment détaillée, là, en laboratoire, que les chromosomes qu'on avait au début, là, dans la cellule mère ici, ont été mélangés au hasard. Donc, ils peuvent partir dans une ou l'autre des cellules, ce qui fait du mélange. Puis en plus, les chromosomes entre eux vont s'échanger des gènes. Je donne un exemple avec des couleurs, là, c'est un peu n'importe quoi, là. Mais disons qu'on a deux chromosomes ici, deux chromosomes numéro 1. Un autre chromosome numéro 1 qui venait de votre père et de votre mère. Ben, ça se peut que pendant cette méiose-là, il y a eu des échanges entre les deux. Donc, ils s'échangent vraiment des gènes, ça s'est capoté. Fait qu'on va se retrouver à la fin avec le chromosome numéro 1 qui va avoir l'air, dans le fond, de ça. Excusez, l'arrimage n'est pas parfait, là. Puis de l'autre, comme ça. Comme ça. Parce que les deux chromosomes se sont mélangés. Ils ont échangé des gènes, ce qui augmente encore la variabilité génétique. Donc, à la fin, ça nous donne des cellules haploïdes, qui sont des cellules seulement à 23 chromosomes, pas 23 paires, là, 23 tout court. C'est normal. Ça va nous donner exemple chez l'homme, ça va prendre quelques temps, ça va devenir des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes vont s'unir avec les cellules féminines, ce sont les ovules évidemment. Et si vous voulez avoir un être humain normal, à 46 chromosomes, enfin normal au point de vue génétique à tout le moins, ben 23 plus 23, ça fait 46. Donc la méiose, c'est normal, ça donne des cellules à 23 chromosomes. Ces chromosomes-là sont différents de la cellule mère, de la cellule de départ. Donc, il y a une variabilité, pardon, génétique incroyable. Même entre les spermatozoïdes, on peut facilement affirmer que dans une éjaculation qui a 200 à 300 millions de spermatozoïdes, il n'y en a pas deux qui portent le même code génétique. Donc, c'est vraiment des mélanges de gènes incroyables. Ça, c'est évidemment. Après ça, il va y avoir une fécondation avec l'ovule, comme je vous disais, pour former un individu complet. Point de vue génétique à 23 paires de chromosomes, ce qui va donner 46. Donc on résume. La mitose, que j'avais oublié d'écrire d'ailleurs. Donc la mitose, ça se divise en deux cellules filles. Les cellules sont identiques, c'est vraiment du clonage. La méiose, ça va donner 4 cellules. Ça va être des cellules sexuelles. Il va avoir seulement 23 chromosomes. Et ces chromosomes-là sont tous différents des chromosomes qu'on avait dans la cellule mère. Donc, il y a vraiment un brassage génétique incroyable, contrairement à la mitose.